peine. Ok. Non, c'est pas ça. Voilà. Ok. Alléluia, alléluia. Sorry, we had some technical problem. We are back. Thank we are back. Alléluia. Welcome. Shalom, everybody. Hello, Good evening. Shalom. Shalom, everyone. Shalom, everybody. Shalom, some people are so mon volume est trop haut. C'est bon? C'est bon. Alors, nous avons le problème. De l'église universelle à Lille. Alors, il y a des écoles qui passent. Mais c'est parce que je suis en train de partager en même temps, peut-être, je ne sais pas. Ah, il faut juste que tu t'en veux. Je baisse le volume. C'est bon, c'est bon. Je dois baisser le volume là-bas, je pense. Non, c'est bon. Tiens, tu vas partager dans d'autres. Je dois baisser le volume. Attendez. Parle un peu. Oui. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Bon, je ne sais pas parce que j'ai coupé carrément mon volume. Hein. Non, c'est bon. Mais on m'entend très bien. Ok, vous m'entendez très bien? Oui. Parfait. Donc, je vais partager. Alléluia. Amen. Welcome, Nadi. Oh, thank you. God bless you. It's a privilege to have you tonight. Merci beaucoup de vous accompagner ce soir. Amen. Alors, peuple de Dieu, invitez tout le monde et soyez prêts à recevoir vos bénédictions ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très honoré. So I'm honored. Et je suis dans la joie. I'm happy. Pour ce programme organisé par le pasteur Patrick. For this program organized by Pastor Patrick. Et la servante de l'Éternel, sa femme Ariane. And the servant of God, his wife, his beautiful wife, Sister Ariane. Les mots me manquent pour vous remercier. So words are not enough for me to appreciate you. C'est une surprise. It's just a surprise. Je ne savais pas que je pouvais avoir autant de considération de votre part. So I don't know I could have been considered like this from you. Que j'étais aussi parmi les papas qui ont marqué votre parcours. That I am one of the fathers that also mark, you know, your life in a positive way. Merci beaucoup. So I appreciate you a lot. Merci beaucoup pour Dieu qui a établi cette relation entre vous et nous.
So I also thank God that established this relation between you and I, or vous you êtes, and us. Vous êtes une grande bénédiction pour l'Église corps de Christ. Amen. You are a great blessing for all body of Christ. Et je suis très très flatté pour votre disponibilité toujours dans l'Église corps de Christ. Amen. I'm happy for your availability for all body of Christ. Il n'y a pas longtemps, on était avec le pasteur Patrick dans une conférence internationale aux États-Unis où je devrais interpréter. En un clin d'œil, je lui ai demandé service. Il était disponible. So, not quite long, we are in the same seminar in the United States. So, I asked for a favor and it was available. Quand j'ai quelques traductions à faire et que je n'ai pas le temps, j'appelle ma fille Ariane. Elle dit, papa, t'en fais pas, je veux le faire. So when I also have something to interpret or to, you know, to translate, she's always available. She'll say, Papa, I will do it. Et c'est une bénédiction. Amen. Mm-hmm. Et je les ai toujours promis qu'ils viendront nous prêcher, nous bénir ici à Lille. Amen. I promise that he's going to come to bless us here in Lille. Si j'avais un couple comme ça à Lille, je serais, je me reposerais. Amen. So if I have a couple like this in Lille, I will also ask for them to also take relay. Parce qu'ils parlent français, ils parlent anglais. Oh yeah, because they speak French and English. Wonderful. Et ici, j'ai du mal à trouver des polyglottes comme ça. Hein? So it's very difficult to find, you know, a couple like this, you know, English and French. Ah, hein, sinon je donnerais, on se partagerait un peu la tâche. So then, you know, you will be more easier. Alléluia. Amen. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont invités dans ce programme sur la bénédiction. So bless every man of God that participated in this program. Le premier jour, on était béni par le pasteur Laoum Kayamba. J'étais béni. The first day, I was blessed with Pastor Kayamba. Et je présente mes condoléances au pasteur Elongama qui, sans imprévu, n'a pas pu être là le deuxième jour. So also, my condolences go to a pastor that was unable to attend or to participate the first day. Et puis, merci aussi au pasteur Clifford qui nous a bénis hier. So thank you, Pastor Clifford, that blessed us yesterday. J'ai suivi ce programme-là. So I also participated or watched the program. C'était puissant, on était abondamment bénis. It was powerful, blessed. Et je salue en même temps les autres orateurs qui viendront après. So I also our preacher is going to come later. Et c'est toujours l'honneur de les écouter et nous serons toujours bénis. Amen. It's an honor to always listen to them, and I believe we are going to be blessed also. Amen. Je vais porter ma pierre à l'édifice. So today I'm going to bring my own preaching. Je parle rarement de bénédiction, mais Dieu nous va nous faire grâce. So I preach, you know, not really a blessing, but I know that God is going to grant us grace. Je prêche rarement sur la bénédiction. Yeah, I do preach, that's rare, concerning, not always, concerning blessing. Mais Dieu va nous bénir ce soir. But after qui nous suivez en ce moment, partagez ce moment, ça va nous faire du bien. Amen. Please, that is connected. Please try to share the blessing to bless others. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Dear brethren, je ne sais pas combien de temps qu'on m'a donné. I don't know how long I'll be given. Mais je veux pas. All the time. Alléluia. Amen. Nous allons prier avant de commencer. So we are going to pray. Tendre Père, nous te rendons grâce. Heavenly Father, we give you grace. Nous te bénissons. We bless you. Merci pour ce moment agréable. Thank for this wonderful time. Auquel nous voulons encore parler de ta part. That we are going to speak concerning nous you. Bénis tous les abonnés. Bless all the subscribers. Tous ceux qui vont partager. Bless all who are going to share. Tous ceux qui vont suivre en différé. And who are going to follow or look at it later. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. And those that are being connected at this moment. Nous nous confions à toi.
So Father, we trust in you. Je confie le couple pastoral qui a organisé ce programme entre tes saintes mains. So I also leave this couple that organized this seminar to your able hands. Et je confie aussi ceux qui viendront après moi entre tes saintes mains. Also the preachers coming on later into your hands, Lord. Utilise-nous puissamment. Pour l'édification de l'Église corps du Christ. Amen. For the edification of our body of Christ. Afin que nous soyons tous une bénédiction les uns les autres. Amen. For all a blessing for one another. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dear brethren, pour vous qui nous suivez en ce moment, you that is being connected at this moment, il m'a été demandé de parler sur les bénédictions. Amen. So I was asked to preach concerning blessing. Et dans ce message, bien-aimés dans le Seigneur, in this message, dear brethren, par la grâce de Dieu, by the grace of God, toute humilité, with all humility and humbleness, nous allons découvrir beaucoup de choses. We are going to discover a lot of things. Par la grâce de Dieu. By the grace. Je veux parler de bénédiction. Talk about blessing. Dans cinq volets. In five aspects. Dans cinq volets. In five aspects. Que je veux résumer, bien-aimé, dans le Seigneur. So I'm going to summarize everything. Pour gagner seulement du temps. Because of the time. Alléluia. Amen. Le premier volet. The fourth aspect. Nous parlerons de bénédictions spirituelles. Talk about spiritual blessings. Et le deuxième volet. And second aspect. Nous parlerons de bénédictions physiques. Also physical blessings. Lorsque nous parlons de bénédictions spirituelles, talk about spiritual blessings. Ce sont des bénédictions invisibles. They are invisible blessings. Ce sont des bénédictions invisibles. They are invisible blessings. Auxquelles seuls les élus. It's only the elected. Auxquels seuls ceux qui sont prédestinés. Only those that have been destined. À cela peuvent comprendre. Guys, we understand. Alléluia. Amen. Et après, on parlera de bénédictions physiques. Let's talk about physical blessings. Alléluia. Amen. Et les bénédictions physiques. That the physical blessings. Ça concerne tout le monde. That concerns everyone. Elles sont palpables. That is concerning everyone. Elles sont visibles. They are visible. Alléluia. Amen. Et après, au troisième volet, so the third aspect, je parlerai de quelque chose de très important. I'm talking about something very important. De la relation spirituelle entre le Père spirituel et le Fils spirituel. The relationship between your Father and spiritual son. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Our spiritual children, because there are a lot of debate. Et nous comprendrons encore beaucoup de choses là-dessus. They will understand a lot of things. Et je parlerai encore au quatrième volet. So the fourth aspects. Qui bénit qui? Who blesses who? Et je conclurai au cinquième volet. Then I will conclude the fifth aspect. Alléluia. Amen. En parlant de la paix. Talking about peace. Qui parle bénédiction parle de paix. That's talking about the blessing in aspect of peace. Et nous comprendrons tout cela après, bien-aimé dans le Seigneur. They will understand all this later. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur. Without wasting time, dear brethren. Les bénédictions spirituelles. Spiritual blessings. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 1. Nous allons commencer par les bénédictions spirituelles. So we are starting by spiritual blessings. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. For those who are being connected at this moment, les bénédictions spirituelles, spiritual blessings, sont développées dans Ephésiens chapitre 1 par notre cher apôtre, notre cher ami Paul. Amen. We are taking from the book of Apostle Paul. Alléluia. Amen. À partir de verset 1 jusqu'à 15. So from 1 to 15. Que je veux résumer. So I will be summarizing. Alléluia. Amen. À partir de verset 3. So let's start from verse 3. Pour gagner du temps. Because of time. La Bible dit ceci. The Bible says. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de
toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Bless the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Alléluia. Amen. Je commence l'explication directement. So, I explain. Quand on parle de bénédiction, blessing, il faut que le peuple de Dieu, the people of God, il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre c'est quoi les bénédictions. What is blessing? Alléluia. Amen. J'avais parlé hier dans notre église à Paris. So I thought about that in our church in Paris. Je disais ceci, bien aimé dans le Seigneur. I said, dear brethren, quand on parle de bénédiction spirituelle, when we talk about spiritual blessings, la Bible dit ceci. The Bible says, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il parle ici du lieu céleste en Christ, les lieux d'en haut. Il y a des above, there's heavenly places in Christ. Voilà pourquoi je disais les bénédictions spirituelles. That is why I say spiritual blessings. C'est tout ce qui est spirituel, invisible. It's what is spiritual, invisible. C'est de l'ordre de Dieu. That is the law of God. Alléluia. Amen. Of God. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. It's not given to anyhow. Ce n'est pas n'importe qui comprendra cela. It's not anyone that will understand this. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul commence, je veux nous étonner, bien aimés dans le Seigneur. So I want to astound yourself, dear brethren. Et on en parlera au troisième volet ou au quatrième volet. Qui bénit qui? So talk about the third or the fourth aspect. Who blesses who? Nous devons nous poser des questions. We need to ask the question. Pourquoi l'apôtre Paul commence par bénir Dieu? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Why does Paul start by blessing the Lord by saying, "Blessed be the God and our Father of our Lord Jesus Christ"? Alléluia. Amen. Lorsque l'apôtre Paul peut bénir Dieu. When Apostle Paul blessed God, suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Be attentive. Ce n'est pas qu'il est en train de bénir Dieu pour donner à Dieu une puissance, pour donner à Dieu de matériel, parce que très souvent, lorsque on parle de bénédiction, les gens sous-entendent par bénédiction le matériel. So, blesses the Lord, not because he wants to give you money, or he wants to give God material things, because often, we talk about blessing, people directly they think of material things. Alléluia. Ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. It's not that, dear. Dans notre église, in our churches, nous avons parlé longuement de bénédiction d'Abraham m'appartiennent. So we preached long concerning the blessing of Abraham and belongs to me. Et nous avions dit ceci. Lorsque Dieu voulait appeler Abraham, so when God called Abraham, ce n'était pas pour le bénir matériellement ou financièrement. It's not to bless Abraham financially or materially. Mais c'était pour son salut. It's for his salvation. Parce que l'homme qu'il appelait, because the man he called, ne connaissant pas encore le Dieu de la Bible, because does not know the God of the Bible, était déjà riche. He was already matériellement. Materially. Alléluia. Amen. Lorsque la parole dit commence par béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. So when he was started by saying, bless the God and our Father of our Lord Jesus Christ. C'est l'adoration. It's worship. C'est l'adoration. Worship. Tout simplement adorer Dieu. He just wants to worship the Lord. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. That is why, dear. À d'autres termes ici. In another way here. On peut dire. We can say. Que Dieu soit loué. The name of the Lord praise. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. The Father of our Lord Jesus Christ. Ici, bien aimé dans le Seigneur. Here, dear brother. L'apôtre Paul établit directement la relation Père et Fils. So, directly, Paul establishes the relationship between Father and Son. Le Père qui se substitue en Fils. That the Father is substituted on his Son. Qui bénit le Fils. That blesses the Son. Et le Fils qui bénit le Père. En le louant, en l'adorant. And so, blessing the Father by worshiping, adoring him, praising him. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am
ask to someone. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. That is why, dear brethren. Béni soit le Dieu. Blessed be the God. C'est l'adoration. It's worship and adoration. Paul est en train d'adorer Dieu. So Paul was worshiping and adoring God. Ce n'est pas dans le sens que Paul veut bénir le Dieu. Tu ne peux pas dire inférieur à Dieu. Tu ne peux pas bénir le Dieu. You are not blessed the Lord because you are being limited. You are inferior than God. Car Hébreux chapitre 7, verset 7 dit, il est sans contredire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. So, Hebrews 7 says, you cannot contradict because it's the superior that who blesses the lower or the inferior. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Paul parle de bénir Dieu ici, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train de louer Dieu. So, when Paul says, blessed God, he's adoring God, praising God, worshiping God. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dear brethren, je veux ouvrir les yeux à beaucoup de chrétiens du 21e siècle. So, I want to open the 21st century Christians' eyes. Parce que lorsqu'on parle de bénédiction, we're talking about blessing, tout de suite, on pense. Matériel. So directly we all think of material things. Non, bien aimé dans le Seigneur. No, dear brethren. Et il y a une catégorie de gens. There are category of people. Nous allons comprendre ici au verset 4. So we are going to understand that in verse 4. Que Dieu a élu. That God elected. A prédestiné. A chosen, predestined. A prédestiné. Predestined. Somebody praise God. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. I'm happy. Que Dieu bénisse pasteur Patrick et sa femme. May God bless Pastor Patrick and his wife. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle bénédiction. Comme il faut donc what is called blessing. Quand on parle de bénédiction spirituelle, talk about spiritual blessing. Il dit ceci, en lui Dieu, voyez maintenant pourquoi je parle d'une catégorie de personnes. Because who are talking about the category of people? En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Amen. Irréprochables. Amen. Devant lui. Hallelujah. Hallelujah. And I read, as he shows us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Hallelujah. Amen. Dans ce premier volet, in this first aspect, regardez la plus grande bénédiction que les chrétiens devraient savoir. Look at the greatest blessing that we Christians need to know. Je m'adresse à quelqu'un. So I'm just a someone. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. You have not received Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Sache que tu n'es pas béni. Believe that you are not blessed. Tu ne fais pas partie des bénédictions spirituelles. That you don't belong to spiritual blessing. Alléluia. Amen. Je disais hier dans notre église à Paris. So I said yesterday in our Paris. La bénédiction spirituelle, spiritual blessing, est liée à la grâce de Dieu. Amen. It's been about the grace of God. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Why, dear brother? Il y a eu un peuple élu. They are chosen or elected. Il y a eu un peuple élu. They are chosen or elected. Ce peuple-là. Those people. Ce peuple-là. Those people. Peuple d'Israël. People of Israel. Étaient élus d'office. They have been elected as a song. They are chosen people of God. Oh yes. Oh yes. Peuple élu de Dieu. The elected people of chosen. Mais toi et moi bien-aimés dans le Seigneur. But you and I, dear brethren. Toi et moi bien-aimés dans le Seigneur. You and I. À partir du moment que nous avons accepté, nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. From the moment you and I received Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Alléluia. Amen. Nous étions bénis spirituellement. Amen. We are blessed spiritually. Parce que maintenant nous sommes, la Bible dit, il dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Amen. He said, we have been chosen from before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. C'est ce qu'il avait dit à Jérémie. Now he said to Jeremiah, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Before you get from your mother's belly, I knew you. En d'autres termes, in another way, je t'avais béni avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. Amen. Parce que je te
choisi. Quelle grâce! Mais what a grace! I have chosen you before you kept your mother's belly. I blessed you. What a grace! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cela veut dire bien aimé dans le Seigneur. It means, dear brother, j'ai énuméré les bénédictions spirituelles de chaque chrétien. So I nominated every spiritual blessings of every Christian. Paul ici, Paul here, il nous énumère les bénédictions spirituelles dont toi et moi nous avons reçu de la part de Dieu parce qu'il nous a prédestinés à cela. Amen. We belong to the blessing of God because we have been predestined for that. Il y a cinq bénédictions spirituelles. There are five spiritual blessings. Alléluia. Amen. La première bénédiction, the first blessing, c'est être élu, l'élection. To be chosen. Alléluia. Alléluia. Être élu. To be chosen or elected. Être mis à part. Then to be put apart. Être choisi. To be chosen. Être un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Tu seras saint et irréprochable. For you to be holy and blameless. C'est une première bénédiction spirituelle. It's a first spiritual blessing. Alléluia. Amen. Démonstration. Demonstration. Démonstration. Demonstration. Je ne mets dans le Seigneur. Dear brother. Je ne mets dans le Seigneur. Dear brother. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Ask someone. Moïse. Moïse était prédestiné à la gloire. Was predestined to glory. Moïse était prédestiné. Was predestined par Dieu. By God. Moïse était béni. Moses was blessed. De bénédiction spirituelle. With spiritual blessing. Parce qu'il était choisi par Dieu. Because he was chosen by God. Et pourtant Pharaon, and Pharaoh, créature de Dieu. Creation of le God. Souffle de vie qu'il était en train de respirer, c'est le souffle de vie de Dieu. That is the breath that the breath that was in Pharaoh was the breath of God that God breathed into him. Mais il n'était pas prédestiné. But he was not predestined. À la gloire de Dieu comme Moïse. To the glory of God like Moses. Il n'a pas prédestiné à ça. He was not predestined for that. Il n'a pas été prédestiné à ça. He was not predestined for that. Alléluia. Alléluia. Dieu ne l'a pas choisi. So God did not choose him. Pour être saint et irréprochable. To be holy and blameless. Am I talking to somebody? Yes, Pastor. Alléluia. Amen. Deuxième bénédiction. The second blessing. Bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Il nous a prédestinés dans son amour à être, vous avez vu ça? Ses enfants d'adoption. Amen. Hey. Second one, he predestined us for us to be adopted sons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait la différence. That is why I made a difference. Entre ceux qui étaient élus, choisis. Béni de Dieu, peuple d'Israël. Between those that were chosen, elected, blessed by God, Alleluia. And the children of Israel. Alleluia. Amen. Et nous sommes maintenant bénis par adoption. And we are now blessed by adoption. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. So when we accept Jesus as our Lord and personal Savior. Alléluia. Amen. C'est dans le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Quand on écoute le pleasure of His will. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous met dans le Seigneur. That is what dear brethren. Troisième bénédiction spirituelle. The third spiritual blessing. Alléluia. Amen. D'ailleurs, la deuxième bénédiction continue jusqu'au verset 6 où il dit pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. Amen. Verse 6, dear brethren, to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Et toutes ces bénédictions and all those blessings sont invisibles. They are invisible. Alléluia. Amen. Toute sa bénédiction, all these blessings, nous appelons sa bénédiction spirituelle ou invisible. We call the spiritual blessing or invisible blessing. Parce que ça reste un mystère. Because it's a mystery. Parce que ça reste un mystère que tu ne peux pas comprendre et tu ne le comprendras jamais. Because it's a mystery that you don't understand. You will never understand.
understand it? Comment comprendre? How to understand? Abraham. Abraham. Autant d'années dans la vie de l'animisme de son père. So Abraham, with all those years in the idolatry of his father, dans l'idolatrie, influence of his father, in c'est que par la grâce de Dieu. So it was only the grace of voilà God. Pourquoi les bénédictions spirituelles. That is why spiritual blessings sont liées avec la grâce. It's been bound with the grace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fera grâce à Abraham. So God granted grace to Abraham. Dieu fera grâce à Paul. So God granted grace to Paul. Paul qui était dans le judaïsme. Paul avait le judaïsme. Ce sont des choses qui ne peuvent que dépasser l'entendement humain. So that is what people overwhelm. People will be surprised. Troisième bénédiction spirituelle. That is the third spiritual blessing. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Voilà pourquoi je parlais ici. La grâce est combinée et va de pair ici avec cette bénédiction invisible, les bénédictions spirituelles. So that is why it says grace is abide with this spiritual blessing or invisible blessing in verse 7. You say, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'aurais pas le pardon des péchés. If not, you can't have forgiveness. Au nom de qui allais-tu être pardonné? In the name of who are going to be forgiven? Est-ce que le pardon est palpable? Is a forgiveness just ordinary, touchable, ordinary? Alléluia. Non. Le pardon se passe par le sang de Jésus à la croix. Or, toi et moi, nous ne sommes pas de la génération de Jésus-Christ, mais le fait de le recevoir, les générations à venir le recevront. Les générations passées l'ont reçu, ils ont eu la rédemption et le pardon des péchés. Bénédiction spirituelle. Amen. Spiritual blessing. Because you and I, we're not in the period of Jesus Christ. So we in our generation, and generation to come, we are, because of the work on the cross, we have the forgiveness of Jesus Christ through the work on the cross. Hallelujah. Through his blood. Le sang que Dieu a répandu abondamment est sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Which he made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he proposed in himself. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Un mystère, c'est des choses qui sont, c'est quelque chose qui est caché, que tu ne peux pas comprendre. C'est ça les bénédictions spirituelles, invisibles, que l'homme ne peut pas comprendre. So mystery is something that is hidden, that is secret, that is invisible, that man cannot understand. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans la quatrième bénédiction. So we are the fourth blessing. Le mystère, bien-aimé dans le Seigneur. The mystery, dear brethren. Avoir la gloire, la grâce. To have grace. Bénédiction. Alléluia. C'est blessé. Alléluia. Amen. Et il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, qui es-tu? Who are we? Who are you? Comment Paul pouvait comprendre le mystère caché en Jésus-Christ? How can Paul understand the mystery of Jesus Christ? Laissez-moi donner un exemple d'un mystère. Let me give an example concerning mystery. Comment peux-tu comprendre les choses spirituelles si ton esprit n'est pas régénéré, si ton esprit n'est pas connecté avec Dieu? C'est un mystère du judaïsme. Des ténèbres à son admirable lumière. Comprendre les choses spirituelles, c'est un mystère. Tu ne peux pas les comprendre si tu n'es pas élu de Dieu. You
Bénédiction spirituelle. How can you understand the ministry if your spirit is not regenerated, your spirit is not revealed from darkness into marvelous light? How can you understand the ministry that is invisible blessings of God? Voilà pourquoi au verset 9, il dit, pour les mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux. Ici, Paul prend bien soin de parler des bénédictions spirituelles qui sont dans les cieux et qui sera manifestées pour son Église sur la terre à exécution. Ça sera exécuté où? Sur la terre. Parce que toi qui vis sur la terre, ce sont des choses spirituelles, un mystère, qui, des choses d'en haut que tu ne pouvais pas comprendre. Mais on te menace, toi qui es sur la terre, tu ne pouvais pas comprendre les choses de Dieu. Il exécute ça pour son Église sur la terre. Là, il dépend maintenant sur son Église qui est ici sur la terre, pour que toi et moi, nous puissions comprendre le Dieu de la Bible. Investing is a mystery that I think that are in heaven that being made manifest here on earth. Who are we if not the grace that God granted to us for us to know His will that came to manifestation here on earth to His church. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, et celles qui sont sur la terre. He said, those who are here on earth. Amen. Nous sommes. Alléluia. Somebody pray for me. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas prévu dans son plan, mais en lui. Regarde la meilleure des bénédictions spirituelles. You are not planned in His plan. En lui. But in him, en Jésus Christ, in Jesus nous Christ, sommes devenus, we became, nous sommes aussi devenus, alléluia, héritiers, amen, we obtain an inheritance, héritiers, amen, ayant été prédestinés, be prepared, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, amen, according to the purpose of him. Alléluia. Je pense avoir énuméré les cinq bénédictions spirituelles invisibles. I hope I've nominated the five spiritual blessings or invisible blessings. Alléluia. Et puis vous pouvez lire jusque en bas pour gagner du temps. You can read downward. Alléluia. Amen. Because of time. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Now, dear brethren. Deuxième volet. The second aspect. Ce sont les bénédictions physiques. So physical blessing. Alléluia. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Ask yourself a question. Pose-toi la question. Ask yourself a question. Entre les bénédictions spirituelles et les bénédictions physiques, lesquelles sont les plus importantes? So between the spiritual blessing and physical blessing, which is the more important? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I to someone? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Il faut que tu puisses comprendre. You need to understand. Tu ne peux pas accéder. You cannot. Tu ne peux pas accéder aux bénédictions physiques si tu n'as pas compris les bénédictions spirituelles. You cannot obtain physical blessing if you don't understand the spiritual blessing. Alléluia. Amen. Même si les bénédictions spirituelles, even the spiritual blessings, sont réservées aux élus, they are being reserved for the chosen or elected. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Those that say Jesus Christ, your Lord and personal Savior. Mais les bénédictions physiques. But the physical blessing. Ici, bien-aimés dans le Seigneur. Here, dear brethren. Regardez. Look at. Ici. Here. L'apôtre Paul a bien fait la différence. So, Apostle Paul made a difference. En lui, Dieu, au verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Alléluia. Just as He chose us. Alléluia. Amen. Mais dans la bénédiction physique, in the physical blessing, c'est pour tout le monde. It's for everyone. Païen. Pagan. Païen.
pagans, chrétiens, Christians, tout le monde, everyone. Genèse chapitre 1 verset 28 au verset 29. Genesis 1 28 to 29. La Bible dit ceci. Genesis 1, 28 to 29. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. To someone. Yes. Dieu créa l'homme. God created man. Alléluia. Amen. La Bible dit. The Bible says. Au verset 26. Genèse chapitre 1. We can start from verse 26. Au verset 26. Genesis 1 from 26. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. I read in Jesus' name. Alleluia. He said, Amen. Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fishes of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on earth. So God created man in his own image, in the image of God. He created him, male and female. He created them. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé de le Seigneur. Dear brethren, laissez-moi te dire. Let me tell you. Quand Dieu va créer l'espèce humaine. So when God created the espèce humaine. La race humaine. La race humaine. Human race. Alléluia. Amen. Puisque nous représentons son image. As we represent his image. Alléluia. Amen. Nous devrions être plus bénis que nos ancêtres, les animaux. Parce que les animaux étaient créés avant nous. So we should be more blessed than our ancestors, the animals. Because animals were created before us. Alléluia. Amen. Là, j'ouvre une parenthèse. So I open a bracket. J'ouvre une parenthèse. Open a bracket. Je suis contre la théorie de l'évolution. Amen. Yes, the theory of evolution. Si Darwin était encore en vie, j'allais lui dire ça face à face. Mon gars, ta théorie, c'est de la fausseté. C'est de la fausseté. C'est de la fausseté. Et c'est de la fausseté. Je viens, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis créé de l'évolution. Je ne viens pas d'un animal. Je été créé à l'image de Dieu. Amen. En moi, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Les animaux ne sont pas bénis de toutes les bénédictions spirituelles. La preuve, quand Dieu va me créer, il va me dire, tu domineras sur les poissons, tu mangeras les poissons, tu mangeras le singe, tu mangeras les animaux. Je ne suis pas le produit de l'évolution. Darwin, arrête. Et ceux qui continuent ta théorie, ils ont faux. So, as even Darwin was here, and I'm saying, no, you are wrong, because I'm not a product of animal. I'm a product of God. God created me in his image. I don't look like an animal. God will not create me here to dominate over animals. So, all the animals are made for me to dominate and to eat. I'm not a product of animal. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise God. Parce que Dieu me dit, il me créé à son image. Il me dit de dominer sur les animaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je suis béni. So I'm blessed. Alléluia. Alléluia. Am I talking to somebody? Oh yes, God talks to somebody. Alléluia. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. That is why, dear brother. Lorsque Dieu a dit cela, so when God said it, il fallait qu'il matérialise cette parole par la bénédiction. Voilà pourquoi le verset 28-29 dit, Dieu les bénit.
So that is why God needs to materialize it by blessing them. That is, when you look at verse 28, it says, then God blessed them. Il va répéter le même verbe dominé qu'il a dit quand il a créé. Il va les répéter parmi les bénédictions. Yeah, he also repeated it again among the blessings. Alléluia. That is the word domination. Alléluia. Et Dieu leur dit. And God said, voyez pourquoi je parle de bénédiction physique. Now talk about physical blessing. Ça c'est palpable. It's just that is common, normal. Ça c'est physique. It's physical. Ça tu peux le toucher. You can touch it. Alléluia. Amen. Il dit soyez féconds. You can see. He said be fruitful. Alléluia. Amen. Multipliez. Multiply. Remplissez la terre. Fill the earth. Et ainsi je tissais là. Et dominer sur les poissons. Il répète ce qu'il a dit à la création à l'homme. Il répète what he said in the creation to man. For us to dominate. Alléluia. Et dominer sur les poissons de la mer. That dominate over the fishes of the sea. Sur les oiseaux du ciel. Over the birds of the air. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. And over every living thing that moves on the earth. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu, regardez bien aimé dans le Seigneur. Look at your brethren. Pourquoi, quand Dieu va créer au verset 26, au verset 26, pourquoi il va d'abord employer le verbe dominer? Why in verse 26, why did God use the word, the verb dominate? Alléluia. Amen. C'est la bénédiction qui, ici c'est, ici, c'est le dernier verbe. Mais en réalité, ça était le premier verbe, la première bénédiction, parce que c'est là que Dieu avait libéré l'intelligence à l'homme pour savoir faire la différence. Que moi, je suis un humain, je dominerai sur les poissons, les reptiles, sur la terre. Il fallait que Dieu commence par donner à l'homme cet esprit de domination sur les reptiles. Voilà pourquoi il ne dira pas aux animaux de donner le nom à l'espèce humaine, mais il dira à l'homme qu'il a choisi de dominer sur les animaux pour nommer les animaux. Hallelujah. So you can see it here in verse 26, when God used the word dominion, so it's from here God opened the intelligence of human race. God did not tell the animal to name himself, but God now used man to name the animals. That means it's from here that we, the human race, human being, humanity need to dominate over the animals. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Seigneur. And now, dear brethren, les bénédictions physiques, the physical blessing, alléluia. Amen. Ils sont interdépendantes aux bénédictions spirituelles. They are interdependent concerning spiritual blessing. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme aura compris, so when man understands, qu'il va recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, to accept Jesus Christ as Lord and personal Savior, c'est là l'interdépendance. So that is the interdependence. C'est à partir de là. It's from that qu'il comprendra that man will understand que pour dominer sur la terre, that to dominate here on earth, dominer sur les animaux, to dominate over the animal. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'un esprit supérieur qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. The man is your spirit that we call the Holy Spirit. Alléluia. Amen. C'est à partir de là. It's from that moment. Puisque tu as compris les bénédictions spirituelles, as you understand the spiritual blessing, que tu sauras que moi, that you know that je suis fécond, that I'm fruitful, la stérilité, that barrenness, ne peut pas être mon partage, can never be my portion, parce que l'esprit de Dieu, because spirit of God, t'ouvrira l'encadrement, we open the understanding, pour dire que tu dois dominer sur la stérilité, does that mean to dominate over barrenness, parce que l'esprit de Dieu, because the spirit of God, te permettra, we permit you, d'appeler les choses à l'existence, so all things to an existence, yes, parce que tu as été appelé pour dominer, because you were called to dominate, et à partir de ce fait là, and from that ask, il y avait aussi la dose de dominer.
dominer sur la terre. Amen. Dieu, parce que Dieu, en te créant, il t'a créé pour dominer. Amen. C'est le premier verbe qu'il a utilisé. Amen. Ils sont dans le moment où tu reçois du dosage pour être dominé over the animals on earth. That is the first verb that God used in creation. Ah, Pasteur Patrick. Ça, il faut faire ça en présentiel. En présentiel. Hein? So we need to make this program, you know. Séminaire. Yes, seminar. Comme ça, je largue bien. Yes. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Les bénédictions physiques. The physical blessing. Lorsque l'homme aura compris ce qu'il est spirituellement. When man understand who he or she is spiritually. C'est là qu'il va commencer à dominer maintenant. That is where man will start to dominate. Alléluia. Amen. C'est là qu'il va commencer à dominer. That where man will start that mentality of dominate. À dominer sur les autres. To dominate sur sa peine. C'est là qu'il comprendra. That man will understand. Que Jésus-Christ lui a dit. Jesus Christ said. Qui marchera sur le serpent et sur le scorpion. That he shall tread upon the scorpions. En d'autres termes. Now that way. Je dominerai sur le serpent et sur le scorpion. That I will dominate over the scorpions. Parce qu'il est rempli. Because you are filled. Du Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Amen. Amen. Nous concluons cette partie-là. So we'll conclude this part. Sans clôturer. Or without a conclusion. Alléluia. Amen. Troisième volet. The third aspect. Qui bénit qui? Who blesses who? Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Because, dear brethren, tu ne peux pas bénir quelqu'un. Tu ne peux pas bénir quelqu'un qui n'a pas compris qu'il est lui-même béni. You cannot bless someone without him or her knowing that he or she is blessed. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bénir quelqu'un. You cannot bless someone. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. That he or she is also a blessing. Dans Ephésiens chapitre 1. In Ephésiens chapitre 1. Quand Paul bénit Dieu. When Paul blessed God. Il s'agit de l'adoration. The matter of worshiping, adoration. Il loue Dieu. Was praising the Lord. Alléluia. Amen. Mais quand nous les humains face à face comme ça. But we human be face to face. Alléluia. Qui bénit qui? Who blesses who? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bénir quelqu'un qui ne sait pas qu'il est béni. You cannot bless someone without him knowing that he is blessed. Alléluia. Amen. Demonstration. Alléluia. Amen. Il y a une différence. There is a difference entre les chrétiens qui sont ancrés, qui mettent en pratique la parole de Dieu. There is a difference between the Christian that puts the word of God in practice. Celui qui sait qu'il est béni. The one that knows he or she is blessed. De toutes les bénédictions spirituelles. With all spiritual blessings. Et des bénédictions physiques. And physical blessings. Lui, il sait d'ores et déjà, moi, Pasteur Victor Makonda, je sais d'ores et déjà que je suis béni. That he or she knows already that he or she is blessed. Je n'ai pas besoin d'aller chez les féticheurs pour chercher les fétiches pour devenir riche. Hallelujah. I don't need to go and seek a little daughter to become rich. Alléluia. Amen. Parce que je sais. Because I know. La bénédiction de l'Éternel. Ma bénédiction vient de l'Éternel. Because my blessing is coming from the Lord. Et il ne se présente aucun chagrin. And no sorrow. I'm blessed. Alléluia. Amen. Mais celui qui est ignorant. But you are this in ignorance. Celui qui ne sait pas. You are doesn't know. Vous voyez la différence. You not see the difference. Alléluia. Amen. Il ne sait pas. Doesn't know. Qu'il est béni en Jésus Christ. That is blessed in Jesus Christ. Lui, il va aller faire, il va aller perdre sa vie. So him or her will go and lose his or her life. Lui, il va aller. Lui, il va chercher les enfants. Lui, il va aller chercher les enfants, l'argent chez les marabouts. He will go and seek for the thing that's for money for head. Lui, il va aller chercher la gloire chez les féticheurs. Go and seek for glory.
through the native doctor. Alléluia. Amen. Because he or she is ignorant. Alléluia. Amen. Parce que moi, bien-aimé dans le Seigneur, I, dear brethren, je n'ai pas ce temps-là. I don't have that time. Parce que je sais. Because I know. Dès lors que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. That when I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Alléluia. Amen. J'étais prédestiné. I was prédestiné. À la gloire. To glory. La grâce de Dieu. The grace of God. Alléluia. 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 Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. That is why, dear brethren, lorsque Dieu va appeler Abraham, when God called Abraham, il va demander à Abraham une seule chose. He asked him just one thing. Pour que Abraham soit béni. For Abraham to be blessed. Dieu lui a fait comprendre. God made him to understand. Béni. Marche devant ma face. Say, walk before me. Alléluia. C'est ce qu'il avait demandé. Il n'a pas demandé beaucoup de choses. He did not ask a lot from him. Il lui a seulement dit. He just said to him. Je ferai de ton nom grand. I'll make your name great. Mais à une seule condition. Just one condition. Marche devant ma face. Walk before me. Ça voulait dire quoi? It means what? L'obéissance. Obedience. La crainte de Dieu. Fear the Lord. La mise en pratique de ce que moi je t'ai dit. Suivre mes instructions. That is follow my instructions. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Où la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur. Fils. Écoute mes conseils et tu réussiras. Listen to my instruction and you will succeed. Proverbe chapitre 3. Je vais lire seulement quelques versets et puis vous pouvez continuer. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et ainsi de suite, vous continuez. Vous pouvez les lire, bien-aimé dans le Seigneur. So you can read that word, dear brother. Alléluia. Say, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. Alléluia. For length of days and long life and peace they will add to you. Alléluia. Amen. Cette même parole, this same sentence, est répétée dans Ephésiens chapitre 6. It's being repeated in Ephesians chapter 6. Alléluia. Oh. Et là, on va en parler après. Parce que dans Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 3, the Ephesians chapter 6, 1 to 3, il s'agit de deux relations interdépendantes. It's a matter of two relationships. C'est là où nous parlerons des rapports entre le fils spirituel et le père spirituel. So then we're talking about the spiritual son and spiritual father. Le père biologique et le fils biologique. Biological father and biological son. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. That is why, dear brethren, pour clôturer ce passage ici, that is to conclude this passage, je vous recommande de lire Nombre chapitre 22. So I advise you to read Numbers chapter 22. Alléluia, verset 1 à 41. 1 to 41, Numbers 22. Qui bénit qui? Who blesses who? Alléluia. Amen. Moi, je vais lire seulement comme je vous ai dit. Je vais résumer parce que c'est tellement intéressant comme thème. So it's an interesting topic. Que Dieu bénisse encore ses serviteurs. May God bless his servants richly. Alléluia. Once again. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Qui bénit qui? Who blesses you? Lorsque tu sais que tu es déjà béni par Dieu. When you are already blessed by God. Alléluia. Amen. Ne parle pas chercher la bénédiction n'importe où. L'homme ne pourra jamais te bénir au-delà de la bénédiction de Dieu. Alléluia. No man can bless you above the blessings of God. Je répète. I repeat. Personne ne peut te bénir au-delà de celui qui t'a prédestiné. No one. So no man can bless la bénédiction. You above the God that predestined you. Alléluia. C'est ça l'histoire de Balak et Balaam. In the story of Balaam, puisque le peuple d'Israël était élu. As both Israel
children, they were shouting and laughing. Étaient déjà bénis. They were already blessed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Balaam pouvait dire. All that Balaam could say. Alléluia. Amen. C'était nul et sans effet. Was without effect. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. That is why, dear brother, que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Ta bénédiction ne se trouve pas auprès de féticheurs. Your blessing did not lie in the native doctor's hand. Ta bénédiction ne se trouve pas auprès de marabouts. You cannot find your blessing in the hands of the native doctor. Marche selon les instructions de Dieu. Just work according to the instruction of God. Amen. Découvre qui tu es en Dieu. Amen. 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 You need to discover who you are in the Lord. Par la grâce de Dieu. Ceux qui me connaissent. Those that knows me. Avoir la révélation. To have revelation. C'est une grande bénédiction pour l'Église corps de Christ. Amen. It's a great blessing for all body of Christ. La révélation. Revelation. La Bible dit quoi? Bible says what? Mon peuple périt par manque de connaissance. My people perish for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. La Bible dit encore. Bible also says un peuple sans révélation. A people without revelation. Est un peuple sans frein. A people without break. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Pour ceux qui me connaissent. For those who know me. Je suis comme un voyant spirituel. I'm like a spiritual seer. Je suis ici à Roubaix, à Lille. I'm here in Lille. Quand Dieu veut. When God il m'ouvre les yeux. Can open my eyes. Par la révélation. True revelation. Ma fille Ariane sait de quoi je parle. My daughter, I don't know what I'm talking about. Pasteur Patrick sait de quoi je parle. Pastor Patrick, what I'm talking about. Dieu peut m'ouvrir les yeux. God can open my eyes. Tu es dans ta maison, je dis, ma soeur, mon frère, regarde ça, ça, ça dans ta famille. Dieu me montre ceci. Dieu me montre cela. You can be in your house. I will say, my brother, my son, look at what God is showing to me in your family. Par la révélation. By revelation. Je bénis les gens. I bless people. Alléluia. Alléluia. Par la révélation. Just through revelation. Je bénis les gens. Bless people. Quand Dieu parle à Abraham. When God spoke to Abraham. Il y a des choses qui se passent par révélation. There are things that went on through revelation. Parce que quand Abraham va commencer à marcher. When he said to work. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Il va arriver à un moment. That if you go to a time or a moment. À Mamre. Dieu va lui apparaître. That God appeared to him. En songe. In dream. Alléluia. Amen. Et va lui dire des choses. Told him things. Et beaucoup de choses. Lot of things. Alléluia. Alléluia. Je passe au quatrième volet. Fourth aspect. Alléluia. Amen. Relation de bénédiction. Relation of blessing. Entre le père spirituel et le fils spirituel. Between spiritual side and spiritual father. Alléluia. Amen. Et entre le père biologique et le fils biologique. Between biological father and biological son. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Je suis estomaqué. I'm astonished. Je suis désolé de le dire. Okay. I'm sorry to say. Il y a beaucoup de hommes de Dieu. There are many men of God. Qui ne connaissent pas l'importance. They don't know the importance. Que Dieu vous bénisse encore, serviteur de Dieu. Amen. May God bless you richly. Vous avez fait ce programme uniquement pour honorer vos pères spirituels. So you did this program just to honor your spiritual father. Oh! Soyez bénis. Be blessed. Amen. Beaucoup de gens ne le feront pas. Many people don't do that. Nous avons dans nos églises. We have in our churches. Des enfants spirituels qui ne savent pas l'importance de la bénédiction venant de son père spirituel. They don't know the importance of the blessing coming from their spiritual father. Et ça tombe bien que vous avez fait ce programme pendant cette période qu'on appelle Nouvelle Année. Very nice that people did this program during this new year, 2021. Il y a de mes enfants spirituels. They are my spiritual children. Qui me considèrent même plus que mes propres enfants spirituels qui sont
dans mon église sur place. Some of my spiritual children that consider me as their spiritual father, more than even though they reach me, sit down with me in the pendant que je parle. As I'm speaking, après ce programme, before this program, j'ai un rendez-vous. I have an appointment. Amen. In Maryland, in the United States. Wow. Une fille dans la foi qui attend la bénédiction. Papa, je t'attends pour prier pour moi, recevoir les 6000 internet de son père spirituel, parce qu'il sait de quoi il s'agit quand son père prononce des paroles de bénédiction pour toi. Amen. So she's waiting. Say, Father, I'm still waiting for your prayer because she knows the impact of spiritual father when she releases a blessing upon one's life. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Très important ce que vous avez fait. Amen. Very important. Very good. What people did. Quand je clôturerai, je vais prier pour vous. So when we pray, il faut que le ciel s'ouvre dans votre ministère. Amen. Everything shall be open for your ministry. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Dear brethren. Regarde la relation de Paul et de Timothée. Look at the relationship between Paul and Timothy. Nous sommes pour parler de ça, bien-aimé. Il y a des pasteurs, je suis désolé, qui n'aiment pas qu'on parle de père spirituel. Parce que eux, ils se basent sur le passage biblique qui dit « N'appelez personne père ». Because you know there are some pastors don't like to say spiritual father. Because there are some biblical passage that they say you don't need other you don't need to call other person a father. Ce passage là veut tout simplement dire ceci. So that passage means. Et d'ailleurs dans d'autres versions, dans d'autres versions, ce passage là veut dire n'appelez personne directeur. Do not call another person director. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren, pour nous dans notre culture, in our according to our culture, déjà le père de mon ami, je l'appelle papa. Yeah. Because Edda, you call Edda father. That is older than you. Alléluia. One of my friends, I call you also father. I call you father. C'est le respect. It's a respect, sign of respect. Mais lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens, first, vite fait, je m'en vais clôturer. Aïe, 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 aïe. Quickly. Vite fait. 1 Thessaloniciens chapitre 2. First Thessaloniciens chapitre 2. Alléluia. Amen. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Look at what Apostle Paul chapitre 2, verset 10 à 11. First Thessaloniciens 2. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été chacun de vous. La Bible dit quoi? C'est qu'un père est pour ses enfants. Vous avez vu ça? You see it. C'est-à-dire, lorsqu'il parlait, ok, verse 10, he said, you are witness and God also. How devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe, as you know how we exhorted you as a father, those his own children. Alléluia. Amen. Et Timothée dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Timothée said what? 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. 13 à 16. Je vais raccourcir ça parce que le temps est parti vraiment. 2 Timothée chapitre 1. Alléluia. Amen. Regardez comment. 13 to 16. Regardez comment Paul est en train de conseiller son fils Timothée. Look at how Paul advised his son Timothée. Alléluia. Amen. Il dit ceci, à partir de verset 12 ou à 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui je crie. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder
manque de peau jusqu'à ce jour-là. Regarde ce qu'il conseille à son fils. Look at how he advises. Il est en train de dire. He's saying. Regardez la relation de père spirituel au fils spirituel. Look at the relationship between the spiritual father and spiritual son. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle de cette parole, de cette parole que tu as reçue de moi. Alléluia. Amen. Let me just read only 13. Then we start from verse 12. He said, "Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus." Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et Hermogène. That good things which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. This you know, that all those in Asia have turned away from me, among whom are Pergilius and Homogenes. Lorsque tu plais à ton père spirituel, so when you are praying to your spiritual father, il te bénit. He blessed you. Alléluia. Amen. Beaucoup ne savent pas. Many don't even know que la relation entre père spirituel et fils spirituel est parfois plus que la relation biologique, père biologique et fils biologique. Sometimes it's more than the relationship between biological father and biological son. Je vais couper court. So let me just bring. Nous connaissons l'histoire de David et d'Absalom. We have a speaking of the story of David and Absalom. Mauvaise relation. Just a bad relationship. Alléluia. Amen. Mais regardez la relation de Paul et de Timothée. Look at the relationship between Paul and Timothy. Très belle relation. Good relationship. On en parlera plus tard. Parce que je dois clôturer. Alléluia. Alléluia. Et cinquième volet. So the fifth aspect. C'est tout simplement Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Dans la bénédiction. In blessing. Il faut comprendre qu'il faut chercher la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. So we need to seek peace with all men, because without that no one can see God. Alléluia. Amen. La paix avec tout le monde. So peace with everyone. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Without that no one can see the Lord. Parce que Dieu est au ciel. Because God is in heaven. Mais Dieu nous bénit par les êtres humains. Amen. But God blesses our true human beings. Voilà pourquoi il avait dit. That is why he said. La bénédiction des païens ou les richesses des païens sont à nous. Said the blessings of the pagan belongs to us. Voilà pourquoi il avait dit. That is why he said. Aimez vos ennemis. You should love your enemy. Alléluia. Amen. D'un moment à l'autre. Celui qui est ton ennemi, you want to see your enemy, peut te bénir un autre jour. Can also bless you today. Alléluia. Amen. Sur cette terre des humains, in this earth of human beings, nous ne voyons pas Dieu. We don't see God. Dieu nous bénit que par les êtres humains. God do bless us through human beings. Soyez en paix avec ton voisin de gauche. So be in peace with your neighbor left and right. Soyez en paix avec ton voisin de droite. So be in peace with your neighbor left and right. Sois en paix avec ton collègue au travail. So be in peace with your coworker. Sois en paix avec tout le monde qui t'environne. So be in peace with everyone around you. Car tu ne sais pas d'où viendra. Tu ne sais pas d'où viendra la bénédiction. Because you don't know where blessings are coming from. Dieu peut te bénir à partir d'un païen. God can bless you through a pagan. Dieu peut te bénir à partir d'un sorcier. God can also wish to bless you. Ce sont les choses que l'homme ne peut pas comprendre. There are things that human cannot understand. Soyez bénis. Be blessed. Tenez-vous main dans la main, Pasteur Patrick et the servant of the Lord, Ariane. Nous allons prier pour vous. I want to pray for you. Père de gloire. Heavenly Father. Nous te présentons ce couple. We present this couple before pastoral. You. Pastoral couple. Oui, nous savons qu'ils sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. We are already blessed with all kinds of blessings. Ce soir. Tonight. Puisqu'ils ont pris, ils ont eu l'initiative de ce programme. And they have the initiative of this program.
pour l'amour qu'ils ont pour servir dans l'église corps de Christ. Amen. For the love they have to serve all body of Christ. Que ce couple ne manque de rien. May this couple never lack any good thing. Sois leur bon berger. Continue to be their good shepherd. Pour l'amour qu'ils ont pour l'église corps de Christ, toujours prêt à servir leur Dieu. For the love they have for all body of Christ, always ready to serve their God. Que la pluie de l'arrière-saison et de la seconde saison soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. May the rain of second season of later rain be your portion in the name. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. They will fight against you, they will never succeed in the name of Jesus Christ. Laisse que les églises de Dieu s'ouvrent dans votre ministère. Amen. May the gates of heaven be open upon your ministry. Que les âmes attachées à votre ministère. Amen. Soit découverte et qu'elle soit bénie par vous. Amen. So all the souls that be abiding in ministry, may they discover you and may they be blessed through you in the name of Jesus Christ. Vous irez toujours de l'avant, vous ne reculerez jamais en arrière au nom puissant de Jésus. Amen. You always go forward and not backward in the name of Jesus Christ. Que Dieu combatte vos ennemis et vos adversaires au nom puissant de Jésus. May God fight your enemies and your adversaries in the name of Jesus. Que le sang de Jésus vous couvre et vous protège dans toutes vos entreprises. God is protecting all your enterprise, in all your endeavor, and your household, your children. Soyez bénis dans vos finances. Be blessed in your finances. Dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous vous aimons. We love you all. Soyez bénis. Be blessed. Thank you so much. Excusez-moi d'avoir débordé. Spending most of your time. And may God bless all the people who have been connected. Soyez bénis. Et vous tous qui nous avez suivis, soyez bénis. God bless you. À demain, soyez connectés demain pour le Days of Blessing 5. God bless you. Bless you. Bye-bye.